Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve sur Primal Earth pour tester un carnivore. Ça faisait un petit moment que j'avais pas, qu'on n'était pas allé sur le jeu et sur, sur le, comment, chez les carnivores. Donc on avait testé le lion et le guépard. Maintenant on va faire le léopard et en plus le serveur est revenu. Alors j'espère que ça va marcher. Bon, il y a une personne dessus. Si on la croise, eh ben, on la croise, hein, tout simplement. Je vais prendre le mâle pour voir. Hop, spawn. C'est parti. Bon. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est pas grave. Alors, fais voir un petit peu ton léopard. Finalement, c'est quelle marche que j'ai. Voilà, c'est celle-là que j'aime pas. Non, j'allais dire finalement ça va, mais alors faites voir un peu. Il est magnifique. Alors oui, vous avez raison. Pour ceux qui disent que. C'est vrai que j'ai testé Animalia entre-temps pour vous montrer un petit peu les jeux dans le même style. J'ai testé Animalia entre-temps. C'est vrai que là, pour le coup, ils ont de la chance dans le sens où ils commencent un jeu sur une base plus récente, c'est-à-dire certainement Unreal Engine, je ne sais pas combien, etc., etc. Et du coup, ça fait que leurs graphismes ne peuvent être que plus beaux. Après, Animalia Survival, ils peuvent changer quelque chose quand même, hein, que ce soit les animations, les trucs comme ça, les couleurs des graphismes, les couleurs du jeu. Ça se change, hein, tout ça. Ça peut quand même se faire malgré. Je sais plus jouer à ce jeu. Je sais plus. Voilà, la marche comme ça, d'accord. Ok. Donc la marche normale. Alors le léopard mâle. Ah, elle m'énerve. Quand il tourne comme ça, il m'énerve. Il m'énerve. Il faut qu'ils y enlèvent ça. Donc voilà. Donc ils ont quand même une base plus récente. Donc le jeu ne peut être que plus beau, ce qui est sûr. Alors après, à voir. Vous voyez, par exemple, il n'a pas de poils là. Très bizarre d'ailleurs. Très lisse. À voir par contre les animations qui vont nous pondre, etc., etc., par la suite, avec un jeu un peu plus optique que ça, parce que là on est à 36 FPS. Voilà, donc chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Les jeux ne sont pas de la même année. Celui-là, il est juste en bêta, donc il commence sur une bonne base. À voir. Parce que j'en ai vu des jeux qui commençaient sur une bonne base et qui ont disparu, tout simplement. Je sais pas si on me parle ou pas dans le chat, mais c'est pas grave. Donc du coup, cette fameuse. Alors déjà, attends, bouge pas. On n'a pas regardé toutes tes animations. Il est quand même sublime, hein, le léopard. Alors la couleur, non. Je suis pas trop fan de sa couleur. Mais il est quand même sublime. Vas-y. Tu peux plus t'asseoir? Ah oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes touches, qu'on peut pas changer les touches, pardon. Ouais, j'étais partie sur les touches des autres jeux. J'enchaîne les jeux là en ce moment et c'est compliqué. Donc tu peux te coucher. Tu peux te coucher vraiment. Tu fermes tes petits yeux. Voilà, merci. Ah, oh, ça va, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Relève-toi. Alors tiens, on va voir si vous avez le bug ou. Donc il se relève. Et non, il glisse pas quand on démarre, ok. Marche lente. Je préfère, c'est plus stylé. Attendez, je vais te prendre en photo. Je vais te prendre en photo. Tourne. Ah bah oui. Non, je voulais que tu tournes, mais je veux que tu tournes, mais pas dans ce sens-là. Il écoute rien, ce léopard. Il est très sympa, mais il écoute rien. Tu regardes la caméra, s'il te plaise. Ouais. Il n'a pas envie. Il va regarder derrière parce que je regarde derrière. Et si je regarde nulle part? Non? Si je te fais avancer, tu vas peut-être arrêter. Ah, quoique, là, ça va. Là, ça va, là, ça va. Ok. Bon. Alors, fais voir un petit peu tes attaques, du coup. Il mord. Il faut un coup de patte. Bim! Foutez-moi le camp avec cette caméra, s'il vous plaît. D'accord. Et du coup, alors, t'écris. Non, mais on revient devant. Non, mais on revient devant, j'ai dit. Ça suffit maintenant. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai le clavier. Cri. Cri d'appel. Amical. Énerve-toi. Ok, un peu comme le lion, il s'énerve. Très bien, très bien, très bien. Bon, est-ce qu'on va trouver ce fichu éléphant qui n'existe pas? On sait pas. Ou la personne qui est en train de jouer. Hein. Et qui parle tout seul, non? Ah non, mais il y a quelqu'un d'autre. Discord Kitten John. Ils sont deux. Ils sont deux, ils sont deux. J'ai pas de stam et je traverse.
Ouais, je suis une cinglée. Donc je suis à la cascade. Non, mais en vrai, il n'existe pas l'éléphant. Apparemment, il se promène en plus. Ça va pas m'aider. Je pense que c'est un éléphant qui n'existe pas. Tout simplement. On m'a menti. Non, mais peut-être qu'on va le trouver. Peut-être pas, mais peut-être qu'on va le trouver. Vers une île, je sais pas quoi. Pas trop compris. Au milieu d'une île, quelque part? Tu meurs pas, hein? Pas de raison, en vrai. Il n'y a pas de dégâts de chute ni rien. C'est pas, tu vas pas te noyer, ça m'étonnerait. Pourtant, c'est voyant, un éléphant. Je peux pas le louper. Oui, c'est super long à traverser cette rivière. Hein. Ne faites surtout pas ça si un jour il nous rajoute des crocos. Ça peut piquer un peu, je pense. Mais voilà, bah lui aussi, il dit que voir des crocos dans le marécage serait sympa, mais ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah là, moi, je m'en fous, je suis pas au marécage, mais... Et donc, est-ce qu'il y a moyen d'enlever ce chat? Non, mais je crois que je vais pas essayer, parce que... Je vais encore tout casser. Allez, bois un coup. Bois un coup. Voilà. Le petit bruit d'eau. Sympa, sympa, avec la langue. Il lèche un peu le sol. Hein. Tu vas avoir un peu de mousse. Pas de mousse, mais de... J'ai du mal avec les mouvements avec, dans le jeu. C'est compliqué. Bon, là, on va être à 2 FPS, non? 28. Ah, ça pique par moment. Hein. Alors, il y a un effet brouillard qui peut-être n'aide pas. Mais pour le coup, ça pique un peu, quoi. Ah, je vois pas trop où ils nous l'ont calé. Peut-être vers les marécages, alors, du coup, l'éléphant. Bon, en tout cas, si le mec parle de marécage, c'est qu'ils sont là-bas. En vrai, ça va être vers le marécage, les gars. Alors, allez les retrouver, hein, parce que moi, je connais pas la map. Je sais pas où est le marécage, mais... On voit en plus, là, il y a de la brume et tout, je vois plus rien, quoi. Alors, j'aime beaucoup les jeux où il y a des effets et tout comme ça, hein. Ça, c'est stylé aussi. J'ai cru entendre une vache, mais je crois que j'y arrivais. Je crois pas que je puisse monter là-bas. Hein. Si, vous pensez que c'est un chemin, ça? Je vois tellement pas devant moi que je suis pas sûre. Ça se trouve, la femelle a pas la même couleur. Hein. Il a fait un petit rollback. Bah, ça doit être le serveur, je pense. Je sais pas de quoi il parle. J'essaie de comprendre les gens, mais je sais pas de quoi il parle. Non, on peut pas monter. Ça servait à rien de monter là. Peut-être qu'il parle de l'éléphant. Invisible. Ah. Non, 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 non. Je te connais. Je me connais. J'ai tendance à me bloquer. La course est sympa aussi, hein. J'aime bien la course du léopard. Tu sais sauter? Oula! Oulala! Alors, comme d'habitude, ils ont du mal à évaluer les sauts dans ces jeux-là. Hein. Animalia, les léopards, les guépards et tout, ils font voilà. Vous voyez les sauts? Ça, c'est nul, ça. Ça saute pas si haut et pas sur place, déjà. Mais c'est un peu pareil sur Animalia, du coup. Ils n'ont jamais su évaluer un saut. Faire que le saut soit réaliste, en fait. Ah bon. Un détail, c'est un détail. Faut pas oublier que les jeux sont en early access, même pas encore celui-là. En early access, donc, c'est-à-dire en construction. Hein. Quand on veut un jeu fini, bah, on attend la fin. Moi, j'aime bien les voir se développer, donc ça me va. Mais c'est vrai que si vous voulez un jeu fini, ne jouez pas à des jeux comme ça. Hein. Et de toute façon, c'est marqué sur les early access. Hein. Ceux qui achètent des early access, alors déjà, si vous voulez payer 40 balles, non. Un jeu pas fini, ne les payez pas 40 euros. Mais une early access, vous savez très bien à quoi vous attendre, en gros. Vous savez très bien que vous allez jouer à un jeu qui n'est pas terminé, qui est en développement. Donc,
Jamais trop compris ceux qui critiquaient les early, quoi. Mais bon. Chacun son truc, hein. On sait à quoi s'attendre, c'est ça que je veux dire. Bah là, oui, celui-là, c'est même pas une early access. Donc celui-là, même pas on peut y jouer. Donc, parce qu'on m'a demandé où y jouer. Alors si, sur leur Discord, vous pouvez avoir un accès à la bêta en payant 5 $. Mais sinon, vous pouvez pas y jouer, quoi. Pour l'instant, il n'est pas encore sur Steam ni rien. Il y a la fiche Steam, mais vous pouvez pas. Il n'est pas encore disponible en tout cas. Voir un truc. Ah non. Je voulais voir si la queue se balançait quand il tournait du côté où il tourne. Ça aussi, les comment? Ah, bah j'ai du mal. Les félins, quand ils courent, la queue fait balancier en fait. S'ils veulent vra faire vraiment réaliste, j'espère qu'ils y penseront. À la queue balancier. Et pour l'instant, un peu d'éléphant. Alors, peut-être je suis bigleuse et je passe à côté des fois. Hein, mais... pense pas. Hein. Pense vraiment pas. Me gourer à ce point-là. Donc je vais refaire un tour de map. Bah ouais. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est voir la femelle quand même. Avant. Celui, il est très beau, hein, pas de problème. Hein. Mais je veux voir si la femelle est jolie aussi. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Animal select. Au revoir, monsieur. Carnivore. Léopard. Femelle, je veux voir s'il y a une différence. Ah, elle est plus claire et elle a les yeux violets qui ne sont pas du tout adaptés au contexte, on va dire. C'est étonnant, non? Pourquoi des yeux violets? Parce que c'est une femelle, c'est pour les différencier. Bah, c'est Space en tout cas. Je veux. Ah oui, mais à chaque fois, je me gourre de touche. Hein. Je vais le faire à chaque fois. Ouais, non, ça va. Hein. Ça va, mais bon, pourquoi cette couleur et pourquoi des yeux violets en fait? Je sais pas, là, une petite touche de. On s'est amusé avec le léopard. Aucune idée. Hop. Bon, bah, ça m'a fait spawn où là? Vers le désert. Je sais pas si c'est une bonne idée. On s'en fiche, on y va. Enfin, c'est pas vraiment le désert, mais. Je pense que le marécage est par là-bas. Toujours très peu de FPS pour le coup. Et ça passe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je peux pas y faire grand-chose. Ici, c'est un désert. Ah, bah tiens, ils sont par là. Puisque j'entends. J'ai entendu un lion. Ou je sais pas quoi. Alors, je vais pas faire ami-ami, hein. Non, non, non. Mais je vais voir s'ils ont trouvé l'éléphant. En plus, on a très peu de FPS dans le coin. Ce qui est bien dommage. Il est où le lion qui a crié? Je l'ai entendu, hein. Pas folle, hein. Je t'ai entendu, hein. Or, dans ce coin-là? Qu'est-ce qu'il foutrait là, en vrai? Ouais. Peut-être qu'il cherche le truc à bouffer aussi. Hein. Purée, ils sont pas loin, mais je sais pas où, quoi, les mecs. Essayer d'aller par là. Hein. Je crois entendre par là, je dirais. Ah, j'aime bien la course par contre, elle est bien faite. Je vois pas ce que foutrait l'éléphant là en fait. Je sais pas du tout où on est, quoi. On refait le tour, hein. Ah, dommage que je les trouve pas, ils étaient pas loin, on les a entendus, mais. Oh, sûr, c'était un lion, hein, au cri. Bientôt plus de stam. Ah non, il s'arrête plus. Ah si. Très bien, très bien.
Ils parlent du scent et tout, ils disent que le scent n'avait pas été mis dans le jeu et tout, non pas encore, blablabla. Non, mais ça viendra. Ça, c'est des détails. En code, facile à mettre en place, je pense. Il y a un gros truc gris là-bas, mais c'est pas un éléphant. Sais pas. Il y a un truc là-bas, c'est un bout de pierre peut-être. Là-bas. Non, je pense que c'est un bout du rocher. Ah non, c'est l'éléphant. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Il est mort par contre. Alors je sais pas si c'est normal. On m'a dit qu'il se promenait, moi. Normalement, il est censé être sur une île qui n'a rien à voir. Ou alors ils en ont mis plusieurs. Bah enfin quoi. J'ai envie de dire. Oh, il est mort. Tel un éléphant mort. Alors du coup. Bon, je te bouffe. Ah, comme quand on bouffe quoi. Ok. Il n'y a pas de bruit? Non. Non, mais ça remonte. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on leur demande. Bah voilà, enfin cet éléphant quoi. Oh, avec son œil. Oui, c'est... Bah oui, un éléphant a un œil. Simplement. Bah, très bien. Je suis très bien avec ça. Après, il me manquera de l'eau. Ça aurait été bien de croiser les deux personnes pour voir un petit peu les animations vues de loin. Hein. Ah bah voilà. Bah, en plus, c'est vraiment pas fait exprès. Un lion ou une lionne? Salut! C'est sûr qu'ils viennent me voir. Non, c'est pas Juliana, non. Vous me faites pas peur, hein. Faites gaffe, hein. Ils sont sympas à voir de côté comme ça. Ils doivent se demander qui je suis et qu'est-ce que je fous là, mais. C'est super beau. Alors après. Non mais le lion, il est quand même magnifique par rapport à celui de. Me sens pas les fesses. Non, tu me sens pas les fesses. Ah, il va regarder la taille. Bah non, t'es largement plus grand, hein. Plus grande en tout cas. Et le mâle, même pas la peine. Fais voir à côté du mâle. Non, je veux voir la taille, bouge pas. Ah. Et. Je crois pas qu'on puisse se tuer. Mais c'est super chiant cette marche. En fait, on peut pas courir. Moi, je peux pas te taper, pourquoi? Tiens, je t'ai mordu la fesse. Ça t'a fait mal ou pas? Ok, on peut mourir. Bah, ils sont toujours aussi cons, par contre, dans ces serveurs. Désolé, hein, mais... Le mec, il était là à calculer la taille et tout, d'un coup, il m'attaque. Parce que sa copine a dit, il m'a attaqué ou je sais pas quoi. Voilà. Ça promet pour la mentalité des gens. Non, mais c'est... en vrai, je m'en fous, parce que c'était pour tester le léopard et voir un petit peu d'autres personnes, hein, mais bon... Ça promet, oui, pour la... Voilà, ça promet. On connaît, j'espère qu'il y aura des serveurs avec règles, etc. Mais bon, là, on perd rien, on fait pas de prog, rien du tout. Je reviens avec un éléphant, je le piétine si je veux. M'étonnerait. Mais j'arriverai pas à le retrouver, de toute façon. En tous les cas, on va s'arrêter là, bah, sur cette belle mort contre un lion. Hein. De toute façon, il y avait en deux, trois coups. Trois coups, il m'a tué, ou deux coups. Donc c'était un peu logique vu la taille du bestiau à côté de moi quand même. Mais c'était cool de les croiser dans le sens où on voit un petit peu la taille des créatures et on voit un petit peu la différence des créatures entre elles. Voilà. N'hésitez pas à marquer... Non. N'hésitez pas à marquer éléphant en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Lee et son léopard décédé et on vous dit à bientôt. Allez, ciao.
Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. J'ai mis les prix les moins chers pour que vous puissiez me soutenir. Et surtout, du coup, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Bah, ça vous donne l'avantage d'être membre de la chaîne et non pas abonné lambda, on va dire. Membre de la chaîne, c'est quoi? Bah, c'est que vous avez les vidéos en avance. Toutes les vidéos que vous voyez en abonné, vous les avez déjà en avance, 4 jours avant en général ou 3 jours avant, ça dépend un petit peu de l'avance que j'ai, mais vous pouvez les regarder quand vous voulez et vous avez ainsi de suite bah, toujours les vidéos avant les autres. Donc ça vous fait une petite compensation, on va dire, avec les 99 centimes que vous payez pour soutenir la chaîne et qui font que cette chaîne continue. Merci à vous. D'ailleurs, si vous aimez le contenu, si vous aimez la chaîne et si vous aimez la personne, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton rejoindre. Sinon, quoi dire? Sinon, les abonnés lambda, je vous vois. Alors, il y en a, vous n'êtes pas abonnés, les mecs. Vous regardez les vidéos, mais vous cliquez pas. Cliquez, cliquez, cliquez. Cliquez sur le bouton abonner, ça soutient aussi énormément. Et ce qui soutient aussi beaucoup, c'est ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Là, par exemple, c'était pas la fin. Enfin, si, ça va être la fin, mais j'ai bugué. Coupé. Bah, coupé. Non mais vous, coupez, c'est la fin de la vidéo, je dirai rien d'autre. Promis, je dirai rien d'autre après la fin de la vidéo. J'arrête de parler alors. Allez, coupez.